www.radiotoxicfm.com. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxique FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif à l'échelle nationale depuis la décision favorable du tribunal arbitral du Sportas de blanchir le docteur Yves Jamba en conflit ouvert avec la FIFA qu'il avait radié à vie. Le septuagénaire a finalement pris la parole devant la presse pour annoncer son retour à la tête de la Fédération haïtienne de football. Selon leurs propos, depuis le 24 février, Yves Jamba a fait son comeback à la tête de la Fédération haïtienne de football, tout en laissant croire que le docteur Yves Jamba, qui réside à l'étranger, sera bientôt en Haïti. En guise de conclusion, Yves Jamba dit « La Fédération haïtienne de football, sous ma commande, va tout mettre en œuvre afin que nous allions au Mondial féminin Australie et Nouvelle-Zélande dans les meilleures conditions possibles, avec la certitude que tout combat, c'est Haïti et son football qui en sortiront grandi. Par ailleurs, l'homme par qui le scandale sexuel a été éclaté, Romain Molina n'a pas pris le temps pour tirer à boulet rouge sur le Candadou. C'est beau de rêver, mais il y a là la réalité. Le TAS ne l'a jamais remis président, pas plus qu'il n'a pas contesté la validité du comité de normalisation qui dirige donc la Fédération haïtienne de football, a lancé le blogueur français, qui doit se présenter le 27 mars prochain devant un tribunal de l'Hexagone pour affronter le docteur Yves Jamba. Molina, qui ne s'avoue pas vaincu, se transforme en un conseiller pour le docteur Yves Jamba en lui disant à sa place « Je prépare ma nouvelle défense vu ce qui va lui tomber dessus ». Après cette attaque frontale, Romain Molina, qui, selon toute vraisemblance, est en train de jouer sa dernière carte, dit que « Work in progress », le travail est en cours. On attend pour voir ce qui va se passer dans ce dossier qui ne cesse d'attirer les observateurs du sport. Le Violette Athletic Club a clôturé son déplacement en République Dominicaine par une victoire contre Atlético Villarreal sur le score de 8-0 ce mercredi 1er mars 2023 lors de son dernier match amical de réparation avant sa participation au 8e de finale aller de la Ligue des Champions de la CONCACAF le 7 mars prochain à Santiago de los Caballeros. Le champion de la Caraïbe, après avoir bouclé en beauté cette série de matchs amicaux, espère jouer une rencontre de haut niveau face à Austin FC dans le cadre de la compétition la plus prestigieuse au niveau de la zone. En football féminin, grande artisane de la qualification haïtienne en Coupe du Monde, Chili jeudi n'avait pas pu terminer la rencontre face au Chili à cause d'une blessure contractée peu après l'heure de jeu. Une IRM passée hier révèle qu'elle a été touchée au ligament latéral interne de son genou droit, que le bougera a passé 6 à 8 semaines hors des terrains. Au plus des cas, la Grenadière serait de retour fin avril début mai, donc plus que 2 mois avant le début de la compétition le 20 juillet 2023. Placé dans notre jeu de la sélection haïtienne dans la line-up de Nicolas Delépine, Chely jeudi s'est distingué comme à son habitude lors des 2 rencontres de barrage, en réalisant notamment un doublé de passes décisives contre le Sénégal 4-0. Dans l'international, en Angleterre, récemment battu par Everton 0-1 en Premier League, Arsenal a pris sa revanche contre les Toffees 4-0 ce mercredi dans le cadre du match en retard de la 7e journée du championnat britannique. Les Gunners ont fait la différence avant la pause grâce à un homme Saka, buteur sur un service de Stinko 40e, puis passeur décisif pour Martinelli 45e plus 1.
En seconde période, les hommes de Mikel Arteta ont foncé le clou grâce à Odegaard, 71e, puis Martinelli, 40e, au terme d'un doublé. Grâce aux 3 points, les Londoniens conservent 5 points d'avance sur Man City en tête de la Premier League. Balayé par le Real Madrid 2-5, puis tenu en échec par Crystal Palace 0 partout la semaine passée, Liverpool a relevé la tête face à Wolverhampton 2-0 ce mercredi dans le cadre du match en retard de la 7e journée de Premier League. Sans doute encore traumatisé, les Reds ont mis beaucoup de temps avant de trouver la faille. En effet, il aura fallu attendre les 20 dernières minutes pour voir Van Dijk tromper Hoessa en deux fois 73e avant que Salah ne mette définitivement fin au suspense quelques instants plus tard, 77e. Grâce aux 3 points, Liverpool revient provisoirement à 6 longueurs de la première place qualificative pour la Ligue des Champions, détenue par Tottenham qui compte un match d'avance. La 8e des finales de la FA Cup se terminait hier. Pour conclure ce tour, Manchester United s'est arraché pour décrocher sa qualification contre West Ham 3-1, mené après un but de Benrahma, 54e. Les Reds de Vils ont égalisé grâce à un but contre son camp d'Aguerre, 77e, avant de faire la différence dans les dernières minutes. Suite des réalisations de Garnacho, 90e, puis Fred, 90+5. En revanche, Tottenham quitte la compétition après une défaite surprise sur la pelouse de Sheffield United, 0-1. Pensionnaire de deuxième division anglaise. Bernardo Silva, 28 ans, 36 matchs et 3 buts, toute compétition confondue cette saison, va-t-il vivre et sa dernière saison à Manchester City? Arrivé chez les Citizens en 2017, Emile Offensif a récemment ouvert la porte à un départ et sa direction semble disposée à le laisser partir. Mais pas à quel prix? Selon le Télégraphe, le club mancunien réclame environ 80 millions d'euros pour céder l'ancien Monégas. Très intéressé l'été dernier, les FC Barcelone songe toujours au Portugais, mais le club catalan pourra-t-il transmettre une offre à la hauteur des attentes de City au regard de ses finances à ce jour? Cela paraît compliqué. En tête de la Premier League avec 5 points d'avance sur son premier poursuivre Manchester City, Arsenal réalise une superbe saison. Le manager des Gunners, Mikel Arteta, sait toutefois que lui faut renforcer son équipe l'été prochain pour espérer jouer sur tous les tableaux. Dans cette optique, l'Espagnol de 40 ans et Mikel Arteta espère recruter de nouveaux joueurs pour les Gunners comme Caicedo Caicedo et dans l'entrejeu et l'équatorien qui évolue à Brighton. Toujours avec les actualités et sportive à l'échelle internationale, en Espagne, le FC Barcelone a officialisé et ce jeudi l'arrivée de João Mendes de Assis Moreira, fils de la légende brésilienne Ronaldinho, au club. Le joueur de 18 ans qui avait effectué des essais avec les U19 catalans en janvier dernier continuera de faire ses armes avec les équipes de jeunes du club Blaugrana. Auteur d'une incroyable saison avec Napoli, Vicha Vasquelia, 22 ans, 26 matchs et 12 buts, toute compétition confondue, est l'un des nouveaux phénomènes du football mondial. L'attaquant Georgien brille en Serie A comme en Ligue des Champions et des rumeurs commencent à fleurir à propos de son avenir. L'une des équipes liées au Napolitain est le Real Madrid, pour lequel le joueur a une affection particulière. Comme l'a confirmé son agent Mamouka Jougeli, son père Badri et moi sommes des fans de Barcelone, mais Vara est Madrid. C'est un joueur de ce niveau, il peut évoluer dans n'importe quelle équipe. Je serais très heureux de le voir sous le maillot du Barça, mais c'est un Madridista, a confié le représentant à Geoteam. Le Real Madrid reçoit FC Barcelone ce soir à 21h. La chaîne et l'équipe va diffuser ce match dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi, toujours privé de Ferland Mendy et David Alaba en défense. L'entraîneur Madeleine Carlo Ancelotti récupère Rodrigo en attaque. En face, le coach barcelonais Xavi fait les déplacements sans plusieurs joueurs importants. Lewandowski, Dembélé et Pedri sont tous blessés. Voici les compositions probables des équipes. Real Madrid, Courtois dans les buts.
Cavall, Militao, Diganacho, Modric, Camavinga, Gakus, Valverde, Benzema, Vinicius, FC Barcelone, Testegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, De Jong, Busquets, Gavi, Rafinha, Torres, Roberto. La semaine dernière, Defensa Central a révélé que le Real Madrid voulait surfer sur le succès de Vinicius Junior en lui offrant un numéro de maillot mythique. Il s'agit du numéro 7, notamment porté par Raúl ou encore son modèle Cristiano Ronaldo. Ce jeudi, le média espagnol nous en dit plus sur la position du Brésilien à ce sujet. Defensa Central explique que Vinicius Junior est d'accord pour changer de numéro l'an prochain et qu'il apprécie d'évoluer avec les numéros 20, international Riverde veut récupérer le 7 comme son idole. Tout est convenu entre les différentes parties. Il ne reste qu'un et qu'attendre pardon que Eden Hazard abandonne ce numéro et ce numéro de maillot en fin de saison. Et leur VG7 pourra débuter à Madrid. En France, les qualifiés pour la Coupe de France au terme d'un exploit retentissant sur la pelouse de l'Olympique de Marseille de 7-6 aux séances d'études au but ce mercredi dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Annecy, pensionnaire de Ligue 2, rejoué l'Olympique Lyonnais, tombeur de Grenoble 2-1. Toulouse, trop fort pour des 6-1. Nantes, qui a battu Lens 2-1 dans le dernier carré de la Coupe de France. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce jeudi. Au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain. L'attaque Lionel Messi, 35 ans, 26 matchs et 17 buts, toutes compétitions confondues, dispose d'une avenir des plus incertains. Et si l'hypothèse d'une prolongation de contrat a pris du plomb dans l'aile ces dernières semaines, l'Argentin aurait fait le choix de rester en Europe la saison prochaine, révèle le quotidien Catalan Sport. Malgré la cour accrue de club Maoric Soccer du Golf ou la possibilité de retourner en Argentine, Napulga, qui s'estime toujours au niveau pour briller dans les meilleurs championnats, souhaiterait encore rester sur le vieux continent. Une révélation de poids qui promet dès lors une nouvelle bataille entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui, malgré des déclarations contradictoires, n'a jamais cessé de croire au comeback de du susceptible Ballon d'Or, à moins qu'un autre courtisan entre dans la course. Toujours en France, avec les actualités sportives, visé par une accusation de viol par une femme de 24 ans lundi, Achraf Hakimi voit le ciel lui tomber un peu plus violemment dessus chaque jour. Ce jeudi, le journal ibérique El Sirri Digital rapporte que Iba Abouk, l'épouse du Marocain, aurait décidé de mettre un terme à leur relation. La publication espagnole avance que l'actrice aurait entamé les procédures il y a plusieurs semaines alors que sa relation avec le joueur du Paris Saint-Germain s'était détériorée. Lundi, la présence d'Achraf Hakimi sans sa femme lors de la cérémonie de baisse organisée à Paris avait notamment retenu l'attention des médias. En Italie, la Juventus de Turin a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son défenseur brésilien Danilo jusqu'en 2025. Arrivé à l'été 2019 dans le Piémont, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City s'est imposé comme un leader et un tireur important du 11 de Massimino Allegri. Cette saison, le vice-capitaine du club a disputé 24 rencontres de Serie A, marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives. Il est également avec Philippe Kostic, le seul Turinois à avoir disputé l'intégralité des rencontres de la Juventus de Turin cette saison. Fait divers, vainqueur de sa première Coupe du Monde avec l'Argentine cet hiver, Lionel Messi, 35 ans, 172 sélections et 98 buts, a tenu à marquer le coup. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain a offert 35 iPhone 14 plaqués or à l'ensemble des joueurs du staff de la sélection d'Argentine, un cadeau exceptionnel dont la valeur est estimée à environ 200 000 euros. Lionel voulait faire quelque chose de spécial pour célébrer le moment que le rend le plus fier. Il a contacté l'entrepreneur Ben Lyons et ils ont conçu le design ensemble, a confié une source proche de la Pulga. En basketball NBA, les résultats
Phoenix Suns a battu Charlotte Hornets 105-91. Chicago Bulls a égalisé les Detroit Pistons 117-115. Philadelphia Sixers s'est imposé 119-96 au dépens des Miami Heat. Dans les derby New York Knicks a su classer Brooklyn Nets 140-118. Boston Celtics a dominé Cleveland Cavaliers 117-113. Milwaukee Bucks se défait de l'Orlando Magic 139-117. Los Angeles Lakers a battu Oklahoma Thunder 123-117. Memphis Grizzlies domine Houston Rockets 113-99. New Orleans Pelicans a battu Portland Trail Blazers 121-110. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxique FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.